Chers amis, bienvenue encore une fois pour notre série sur le chapitre 3 de Daniel. Au verset 16 et au verset 17, les dit-nous ceci, à Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Je te rappelle, et hier, nous disons sur le fait que le roi Nebuchadnezzar, tu donnes Shadrach, Meshach et Abednego une deuxième chance pour adorer son statut. Et voilà ce qu'ils te répondent. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Je ne sais pas si je t'ai remarqué dans la réponse que Shadrach, Meshach et Abednego vous donnaient, je peux dire, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. En d'autres mots, quand Shadrach, Meshach et Abednego est cause de la fournaise ardente, je peux faire allusion à une probabilité, peut nous délivrer. Alors que quand je peux cause du Nebuchadnezzar, je peux cause avec une certaine certitude, il va nous délivrer de ta main, ô roi. Et me rends-moi compte que finalement, la fournaise ardente et le roi Nebuchadnezzar nous capables dissocier les autres. Nous capables dissocier les autres parce que nous trouvons que vers la fin de l'histoire, la fournaise ardente nous servir à quelque chose. Et à quoi est-ce que la fournaise ardente pour servir nous pour guetter dans un prochain épisode? Mais pour l'instant, mon vie juste rappelle aux autres que le Dieu qui Shadrach, Meshach et Abednego servi, il est capable de délivrer ce Dieu. Il a le pouvoir de délivrer et de délivrer Shadrach, Meshach et Abednego de cette fournaise. Mais la certitude, c'est qu'il est pour délivrer eux de la main de l'actuel ennemi, de celui qui est la cause de cette fournaise ardente. Est-ce que je tiens l'assurance, chers amis, qui m'ont dit capable de délivrer eux, qu'il va vous délivrer de la main de l'ennemi, même si, souvent je peux trouver qu'il y a un problème capable de rester. Qu'ils ont pas de problème, pas aller tout de suite. Qu'ils ont finance, péris, comment je t'ai été au moment que tu peux prier. Qu'il a maladie, pas aller. Mais nous pouvons trouver qu'il y a un certain moment donné, mon Dieu, pour aussi délivrer autres de la fournaise ardente. Laisse-nous prier pour qu'il nous capable d'avoir cette certitude qui, mon Dieu, pour délivrer nous de la main de l'ennemi. Nous, Papa, qui dans le ciel, merci de ce qui te fait mort dans la croix. Et c'est cet épisode, c'est cette mort qui permet nous aujourd'hui et dans la vie éternelle et gain la victoire sur l'ennemi lui-même. Merci pour cela, Père éternel, de ce qui te fait mort à nous placer, qui nous passe par la mort. Nous demandons tout cela parce que nous prions toi dans le nom de Jésus. Amen.